Bonjour à tous, c'est ici Cléa Simon. On se retrouve pour ce 12e épisode sur Civilization 5 en compagnie de Arthur. Salut Arthur. C'est. Et donc on s'était laissé dans le dernier épisode, mais on était en train de produire pas mal d'unités. Moi déjà pour m'apprêter à me défendre dans un premier temps contre l'Inde et pour pouvoir ensuite les attaquer, parce que pour l'instant je n'ai pas vraiment de quoi les attaquer. Mais surtout, vous voyez que là il y a quand même beaucoup d'unités qui sont présentes, et à mon avis Darius va passer un très mauvais quart d'heure. Mais en attendant, On oui, espère. on espère en tout cas, en attendant nous il va surtout falloir faire en sorte que nos unités puissent s'en sortir assez facilement et qu'on puisse tout simplement mettre un petit boost dans toutes nos productions pour qu'on puisse avancer assez vite. Alors le souci c'est quand on part en militaire comme ça, forcément on prend aussi un peu de retard sur d'autres éléments nécessaires comme la recherche, comme l'or par exemple. Qui normalement, pendant que vous construisez des unités, vous construisez pas des bâtiments qui pourraient vous rapporter. C'est toujours ça aussi le problème. Toutes les cités États alliés octroient un bonus de 25% de science égal à ce qu'elles produisent elles-mêmes. Donc j'ai gagné plus de science, j'ai passé de 51 à 61. Ce qui est plutôt pas mal, puisque j'ai. Je suis à 32 comme un bolos. Bah en même temps, comme je t'ai dit, tu peux pas tout faire non plus puisque tu es en train de produire max unité. Donc forcément, il arrive un moment où tu peux pas être sur deux tableaux en même temps. C'est pas possible. C'est pour ça que moi j'essaye de contrebalancer en faisant plus des bâtiments qui peuvent me permettre d'avoir de l'or et donc de produire des bâtiments qui vont nous donner de la science derrière. C'est pas forcément le plus évident, mais c'est un peu le but que je veux faire. Mais non, mais sinon, je veux pas lui. L'Amérique et l'Inde ont fait une déclaration publique d'amitié. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, ça. Bah non, parce que si moi j'ai l'Inde et les États-Unis sur le dos, ça va être. Songhai et l'Inde sont amis. Ils ont renouvelé leur amitié aussi. Mais Songhai, on les a. Ouais, mais ouais, voilà. Le problème, c'est que si on est deux contre tout le reste du continent, je pense qu'on va pas forcément se marrer. Non, t'inquiète. Bah, on s'amusera, hein. C'est pas grave. On jouera quand même, hein. Moi, j'ai les cités États qui me servent de couverture dans un premier temps. C'est déjà pas mal. Vous avez découvert chevalerie. Ça, c'est pas mal. Au niveau des technologies, donc chevalerie. Ensuite, on va partir. Moi, je vais partir sur l'éducation pour gagner de la science plus rapidement. Et ensuite sur la boussole pour pouvoir. Qui permettront peut-être de faire. Voilà, je pourrais avoir peut-être les galéas qui me permettront ensuite de pouvoir tout simplement venir t'aider à porter. Enfin, venir proche de toi. Non. Donc, ok, j'ai pas fait ce que je voulais, c'est bien. Les banques me donneraient plus d'or. Ouais. Toi aussi, il va falloir que tu choisisses une. Ah, c'est l'astronomie qu'il nous faut si je veux pouvoir venir t'aider au niveau des. Eh ben, c'est parti pour l'astronomie. Ouais, mais en fait, tu veux, il faut faire d'abord la boussole et l'éducation. Avant de pouvoir. Ben, c'est parti pour l'éducation. Ok, bon, on va faire comme ça, hein. Donc éducation, boussole, astronomie et ensuite banque. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le mets. Et puis on va voir. Production, donc sur Rostov. Il va falloir que je produise de l'or rapidement parce que sinon. Et du bonheur rapidement aussi. Sinon je suis dans l'embêtement le plus total. Ok. Comme ça, ce sera bien. Je ne peux plus faire de guerrier. Ah, maintenant c'est des chevaliers. Ouh, sympa.
Eh oui. Puissance Alors, il 20. faut savoir que toutes Oh, les unités oh. qui pour l'instant ne sont pas upgradées, il suffit que tu les aies dans ta ville. Tu vois? Tu cliques. Tu vas cliquer certaines unités, tu vas voir certaines qui ont une petite étoile. Avec deux rangs en dessous. Ça veut dire que tu peux les améliorer. Moi, je peux pas améliorer parce que je n'ai pas de fer pour le moment. Je n'ai pas de mine de fer là où je suis. C'est un peu gênant pour moi, mais c'est comme ça. Je peux pas produire d'unités qui ont besoin de fer. Toi, tu peux. C'est bien Oui, mais dommage. ça peut permettre d'upgrader par exemple tes spadassins. Donc, si t'as des spadassins qui sont encore sur ton territoire, tu peux les faire monter. Je vois que t'as un spadassin français en dessous. Par contre, ça leur mange un tour. Parce qu'ils s'améliorent, bien sûr, donc ça leur prend un tour. Philadelphie, ok. Ok, Boston, ok. Ça me plaît pas beaucoup tout ce qu'il y a par ici. Mais soit. Je commence à produire de l'or quand même avec est-ce que je produis vraiment tant d'or que ça? Faut que je fasse un tour de mes villes. Il faut construire bien sûr ce dont vous avez besoin, hein, tout au moins ce qui peut être utilisé par votre ville. Si c'est pas le cas, c'est un petit peu plus dommage, bien sûr. Voilà, piquer de Wellington, ça c'est bien. Wellington, c'est pas un allié encore. Alors, Saint-Pétersbourg. Par défaut, ça utilise ça, de la nourriture, ok, mais j'ai pas beaucoup d'or d'utiliser. Et la nourriture, est-ce que j'en ai tant besoin que ça? Voilà, on va bloquer ça comme ça. De ce côté-ci, il me faut de l'or. Oui, ça c'est important. Ça pour l'instant. Alors quand vous avez une petite flèche comme ça, une double flèche au-dessus d'une unité, ça veut dire que ça dépend de quelle ville va l'utiliser. Ici actuellement, ça sera pas Novgorod qui va l'utiliser, c'est la ville qui est ici. Donc c'est Rostov, je crois, qui va l'utiliser. Ok, oui c'est ça, c'est Rostov hein, qui utilise cette ressource. Donc ça par contre, on la bloque parce que j'ai besoin d'or, besoin de nourriture, ça bien sûr. Ok, ça bougera pas là. Déjà, vous voyez, j'ai déjà 5 personnes dans la ville, hein, juste là. Hein. Niveau production, je suis plutôt bien. Ok, et là, par contre, il va me falloir trouver de l'or assez rapidement. Ou de la production. Je suis à plus 4 de nourriture. C'est plutôt pas mal, mais c'est pas optimal non plus. Hein. Manquer des habitants. Alors, je vais commencer à ramener un peu mes galères pour dire de pouvoir faire en sorte. Ok, ils construisent même pas de route ici. C'est pas mal ça. Bref. Bref. Ok. Alors ici, on va commencer à construire de quoi avoir un peu d'or et un peu de bonheur aussi. Un grenier déjà pour avoir plus de nourriture pour que mes villes, vous voyez déjà, le fait que certaines villes soient déjà bien optimisées avec beaucoup de nourriture, bah, fait qu'elles montent très très vite. Mais après, bah, il va falloir les optimiser aussi pour qu'elles produisent d'autres éléments. Plus de d'or, sûr. Ouais. Je vais en avoir besoin au niveau économique. Ah ouais, là, il va pas être content du tout, hein.
À la rigueur, je te dirais, comme il n'y a pas trop d'unités pour l'instant, essaye peut-être d'attaquer la ville tout de suite, quoi. Enfin, au prochain Non, tour. non, il me faut une protection pour mes catapultes archers à droite de la ville. Du coup, il y a un spadassin qui arrive. Dès qu'il est là, je mets en place la dernière catapulte et c'est bon. T'as tes piquets aussi, ouais, je vois que t'as des piquets français qui sont. Piquets qui sont au niveau de ta catapulte, entre la Venta et Gao. Et j'ai pas fait le tour des villes, voir si elles construisaient, si on pouvait voir quelle merveille était en train d'être construite. Apparemment, Marrakech est en train de construire Petra. Petra, Petra pas. Pardon. Et le souci de Petra, c'est que ça donne de la foi, et c'est un truc que j'aurais préféré que tu construises toi, du tourisme et tout, donc c'est plutôt pas mal comme ville. Et je vois que Gao est en train de construire aussi quelque chose, j'arrive pas bien à savoir quoi. Non, c'est pas ça que je vais voir. C'est pas encore Watt, c'est pas Oxford, donc c'est peut-être pas ça. Mais ils sont en train de construire des merveilles, ça c'est sûr, et c'est plutôt gênant. Washington n'en construit pas actuellement. Et Darius, je peux pas voir. Au niveau d'Onondaga. Pas spécialement en train d'en construire non plus. Donc on a Gao et Marrakech qui sont en train de construire je ne sais pas quoi. Ce qui peut poser quelques petits problèmes. Québec m'échappe. Pourquoi? Que veut Québec? Et il me donne du sucre, donc j'ai besoin de Québec. Sinon, je perds du sucre et je perds de. Je perds un peu de beaucoup de choses. Par contre, moi je suis avec des guerriers et j'ai pas de fer, j'ai rien. C'est un peu gênant. Vraiment. Ok, bah tour suivant pour moi. C'est rapide en ce moment. Je me sens très utile. J'ai du sel, mais je peux même pas m'en servir. Non, mais t'es sérieux là? De quoi? Là, ça me dit que je veux déplacer les ouvriers, ça déplace mes spadassins. Ah non, ça c'est pénible ça. C'est de tout avoir un léger lag des fois, ça arrive. Putain, ouvrier, pas spadassin. Bon bah c'est le retour du lag là, c'est génial. Ça commençait bien pourtant, hein, mais... T'as essayé les astuces sinon Quelle passer de ville en astuce? ville c'est de Non mais ça ça résout rien ça. Ça fait juste passer le oui temps. c'est sûr mais bon on aura bientôt un artiste illustre qui va nous permettre d'avoir une prochaine. Un écrivain et un artiste illustre. Ça, c'est pas mal ça. Ça pourra permettre de. Pouvoir construire un nouveau élément et monter notre tourisme. Ça fait un moment qu'on n'a pas regardé d'ailleurs le tourisme. Pour l'instant, on n'est que deux.
La victoire culturelle, en fait, faut influencer les joueurs adverses. Tendance oscillante pour l'instant au niveau du tourisme chez mes adversaires. Et là, ça m'échappe. Bah oui, mais là, ça en même temps, je peux pas tout faire pour elle. Ah, je suis en tête au niveau de la foi. Il reste 16 tours encore. Ok. Par contre, je suis pas bon du tout au niveau bonheur, hein. Là, je tiens sur les ressources rares, c'est tout ce que je fais. Oh, je fais 19, ça va. Ah bah moi c'est pas top hein. C'est pas top top. C'est toujours un peu gênant ce genre de truc. On avance quand même pas mal sur l'éducation. On était à 14 tours là, en 2 tours on est passé à 7, ce qui est plutôt pas mal. Ah, on pourrait avoir des De archéologues, base, moi oui. ça me donnait 9 tours. Pour l'éducation. D'accord. J'ai 14 ou après, bon, oui, c'est sûr que. Enfin, nos deux trucs cumulés de toute façon fait que ça va beaucoup plus vite. C'est normal. Tout à fait. Tu fais peut-être trop de fermes sur Paris, peut-être, non? Après cette ferme-là, il faudrait que tu t'arrêtes et que tu fasses plutôt d'autres éléments pour t'apporter de l'or ou de la culture, enfin d'autres éléments qui pourraient être. Oh, tu me parles pas comme ça, tu sais pas qui je suis, ok? Tu sais pas ce que j'ai fait, ok? Si, Tu si, calmes. je vois ce que tu fais. Bah, c'est une super bonne tactique et tout. Bah, au moins ta Je ville, oui, l'appliquerai. monte plus vite, sauf que au bout d'un moment. La ferme en fait te coûte de l'or aussi quand tu la produis. T'as un frais d'entretien. Ah, hum. Je crois que t'as de. Quand t'aménages des cases, ils peuvent avoir des frais d'entretien. Et donc. Noob master. Des fois. Enfin, c'est surtout qu'en fait, là, quand t'es au bord de l'eau, c'est sympa. De toute façon, t'as forcément le bonus de cours d'eau puisque t'es à bordure d'un fleuve. Mais après, si tu construis par exemple, comme j'ai pu le faire. Au niveau de Moscou, des comptoirs commerciaux, ça te rapporte de l'or. Quand elles sont Ok. exploitées, donc ça peut être sympathique pour gagner un peu plus d'or. Puisque plus tu avances dans le temps, on va dire moins la nourriture va être importante. Il va falloir pouvoir payer des unités qui vont être de plus en plus chères. Et tu auras des bâtiments qui vont te fournir de la nourriture de toute façon. Donc il faudra pouvoir financer les bâtiments plutôt que d'essayer de. Parce que l'amélioration des bâtiments, par exemple, ça sera plus 10 de nourriture, plus 5 de d'or et trucs comme ça. Alors que améliorer une case, ça donnera plus 2, plus 3. Donc en compensation, t'es moins gagnant. Enfin, si tu fais une comparaison. Ok. Oh, mais je te crois, pas de problème. Par contre, là, regarde, avec les unités, Darius, il m'a un peu bolossé. Ah, mais oui, mais de toute façon, il faudra. Il va falloir, pour que tes catapultes puissent tirer, il va falloir les avancer d'une case. Donc tu pourras les avancer en Ah biais. bon? Oui, tu peux pas, elle peut pas tirer. Il y a que quand tu arrives à l'artillerie, donc c'est dans les temps modernes, où tu pourras tirer à 3 cases de la ville. Sinon, tu seras obligé d'être sous le feu de la ville pour pouvoir lui tirer dessus. Ok. Bon, de toute façon, j'ai qu'une case à faire pour chacune Oui, c'est des ça. unités. Mais bon, sauf que par exemple, si l'unité arrive sur une colline ou pas sur une forêt, elle pourra pas tirer derrière. Tu vois le. Ouais. C'est pour essayer d'optimiser, on va dire, la carrière de pierre. Tu pourras t'avancer dessus parce qu'elle est considérée comme étant sur une plaine. Mais par exemple, si tu passes sur une colline, bah la colline, ça te bloque un mouvement quoi, supplémentaire. Ce genre de choses, tout ça quoi. Oh, mais là déjà, ouais, tu massacres hein, niveau armée. À mon avis,
Bon, la ville tombera pas comme ça, tu as certainement certaines unités qu'il va falloir attendre un petit peu une fois que tu auras pris la ville, que tes unités se posent pour se réparer un peu. Mais il va prendre beaucoup, hein. Bon alors eux ils construisent Petra, c'est très bien, mais eux j'arrive pas à savoir ce qu'ils construisent et ça m'embête. Ça a l'air d'être un château. Parce que le mieux c'est vraiment d'empêcher en fait les cités ennemies d'avoir des merveilles quoi. Sauf que si moi je prends toutes les merveilles, ben je t'en fournis pas. Toi tu peux pas en. T'en as pas pour toi derrière quoi, c'est ça qui est un peu dommage. Parce que moi je prends tous les bonus et toi t'as plus rien quoi. Je gagne quand même, donc ça va. Oui, c'est sûr que sur l'ensemble, ça veut dire que je pourrais t'apporter plus d'aide et trucs comme ça. Oh purée, je suis à moins 4 d'or par tour. Qu'est-ce qui se passe? Mon bonheur vient de faire une chute là. Dernier tour de l'âge d'or. Oh, plus 8 d'or par tour avec Kuala Par contre, Lumpur. là j'ai une grosse occasion d'attaquer, du coup je vais y aller. D'accord. YOLO. Ok, il n'y a pas de souci, ça va déclarer la guerre, mais il n'y a pas de problème. C'est normal, c'était le but du jeu là. Donc t'as juste à prendre une unité qui se dirige vers une unité ennemie et si tu fais passer dessus, par exemple pour les fantassins, tu fais foncer sur un ouvrier, ça déclare la guerre quoi. J'ai plus le Québec comme allié. Mais bah non, pas non plus. Tour suivant pour moi en tout cas. Allez, la guerre! Donc, guerre actuellement. Alors, on est aussi en guerre contre Jérusalem. Ah non, Ok, Jérusalem c'était est ton alliée, ami. donc non, oui, il est en guerre. Elle a déclaré donc la guerre à Darius. Et donc, on est aussi en guerre contre. Il fait Il y a quoi? Mombasa qui nous a déclaré la guerre, par contre, oui. La cité de Mombasa. Qui est Ah, à l'est de. oui, Ouais. je vois où Oui. elle est. Ok, donc pour l'instant, il y a la guerre opposant Darius à toi et moi je suis face donc à Gandhi. Ok, donc début de la guerre. Allez, je vais regarder tout ça quand même. Donc voilà, tu vois, t'as la barre, faut que la barre soit en rouge pour que tu puisses attaquer avec un fantassin et prendre la ville. Donc t'as intérêt d'essayer de tuer toutes les unités qu'il y a autour. Qu'il n'y en ait aucune qui rentre dans la ville parce que sinon ça va augmenter la défense et elle prendra moins de dégâts. Donc tu peux te servir de tes catapultes pour tirer sur les unités. Hein. Et ça. Je lui ai pas beaucoup baissé ses Non, j'ai unités. vu ça. Même la ville. Je pensais Même la ville là, que elle la va ville se serait fait un réparer en peu fait. Faut plus. savoir que la ville se répare automatiquement à chaque tour. Bon, de toute façon, je l'ai attaqué qu'avec les Ouais, archers. Ahmed Mansour, tu as construit Petra, c'est bien ce que je craignais. Ça sera le Oula. dernier tour pour nous, par contre, pour cette vidéo. Donc, on te regardera attaquer Pasargadès. Déjà, il a reculé certaines de ses unités qui ont pris quand même un peu cher, mine de rien. Les miennes Ah, bah aussi. oui. Regarde ça, avec ses piquets, il est allé au corps à corps sur mes Ah, oui, mais catapultes. ça, forcément, il va pas se gêner, hein. Ça. Et mon âge d'or a pris fin, du coup. Bah, Mince. tu perds en or et en production, quoi. Ouais. Alors, mon influence auprès de Lhasa a diminué. Attends, mais what? Les fantassins ennemis se sont soignés?
Oui, parce qu'il devait avoir juste, il leur manquait juste un, ce qu'il fallait d'XP pour qu'ils passent au niveau suivant, et il a choisi l'option de les soigner. Ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais bon, pourquoi pas. Tu pourras le faire toi aussi, hein. Saint-Pétersbourg. Ah, je peux construire l'Alhambra. Toutes les unités non aériennes de la ville produisent promotion exercice. Donne un château gratuit dans la ville de construction et augmente la culture de la ville de 20%. C'est peut-être ça. Non, c'est que sur les cités côtières qu'il faut, je crois, l'Alhambra. Pourquoi les unités ne sont-elles pas sélectionnées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je le savais, Jeu je te le dirais. de caca. Je te le dirais si je le savais. Ah, il a quand même produit énormément de pitié, hein, ce qui fait que ta cavalerie, au final, elle perd un peu. Ouh là, quand même, ouais, 25, 25 pour 31, ça fait mal, hein. Avec tes catapultes, je te dirais, ouais, continue de tirer sur la ville, de lui faire le maximum de dégâts. Si tu peux la prendre, ça te servira toujours de point défensif, quoi. Tu pourras mettre des unités, des catapultes dedans pour t'en servir pour tirer sur les adversaires, quoi. Si tu peux, sincèrement. Et hop, un piqué de moi. Ah, ça c'est bon ça. Attends, si ça va Oui, mais ça bien. viendra de toute façon. Pas de souci pour ça. Il est mort de toute façon, ça fait une unité en moins. Enfin, ce qu'il faut savoir, même quand vous défendez, vous gagnez de l'expérience. Hein, donc, si vous pouvez la tuer plutôt que faire en sorte qu'elle se régénère, c'est toujours mieux. Ouais, les spadassins en défense, par contre, ils gagnent de la santé en étant en plus sur une colline, donc ils prennent moins de dégâts. C'est un peu la galère. Je dirais pas d'attaquer avec tes guerriers français sur les spadassins perses, hein, par contre. Vu qu'ils sont en défensive sur une colline, ils vont t'exploser tes guerriers. Ok. Plutôt avancer tes guerriers, t'es en contact de la ville pour essayer de faire une attaque sur la ville quand tu pourras la prendre, par exemple, tu vois. Mais vraiment, et puis tu la mets en défensif, tu le mets en défensif ton guerrier une fois qu'il est contre la ville. Comme ça, il se régénérera s'il perd des points de vie. Et si quelqu'un l'attaque, ben il aura un bonus de défense, quoi. Bon, là, c'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Je crois que je vais perdre mon guerrier là, et du coup, il y a 4 unités qui vont déferler sur mes archers. Ouais, mais comme t'es Oh en là là. forêt, ils vont te faire un peu moins de dégâts théoriquement aussi. Ils vont avoir plus de mal à se déplacer, par Je exemple. vais me retrancher, je vais me retrancher, écoute. Hein. Oui, bah normalement c'est ce qu'il faut faire avec des guerriers. Quand t'es en sous-nombre comme ça, c'est bien mieux. Mais bon, là déjà, tu vois les fantassins et autres, ils vont prendre quelques dégâts. Parce que l'avantage de la forêt, c'est que t'as un bonus défensif en fait. Mais bon, ton guerrier, il va soigner un petit peu, mais ils vont le tuer, ça c'est sûr. Ça irait plus vite si le jeu ne laguait pas. Ah ouais, mais bon, ça on n'y peut pas grand chose en général quand tu demandes un peu beaucoup de choses. Il aime pas trop. Bon, pour l'instant, moi j'ai toujours pas vu les unités de Delhi pour l'instant. Peut-être pas une grande nation guerrière aussi. Je me méfie de Gandhi hein, quand il s'y met. C'est pas une nation comme Songhai ou la Perse par exemple, c'est sûr, mais faut se méfier. Vraiment. Oh, la ville a pris cher, car moins 41, ça fait mal ça.
Les spadassins, ils ont un peu une tête de légionnaire, on dirait, sur certains bords. Tu vois. Va se convertir à ma religion. Ouf. Deux unités qui sont mortes chez toi. Putain. Bah, essaye de tout donner à la rigueur, sinon sur la ville, hein, de donner le maximum de dégâts avec tes catapultes. Ou alors, enfin, on en discutera pendant l'inter-épisode, c'est pas un souci. En tout cas, nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Qui aura quand même bien duré beaucoup plus que prévu, donc je vais peut-être le couper en deux parties, ou faire des ellipses dedans, je ne sais pas encore. Vous le verrez quand le montage sera fait. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien, salut!